en a qui vont se dire, mais pourquoi il est comme ça, Toto? Ouais, un petit peu anxieux pour le coup, parce que c'est une course qui est assez difficile, ou du moins délicate, à cause des rochers et tout. Puis même le véhicule en lui-même, il peut se retourner par rien pour si peu, ou partir à droite et à gauche en vrille pour rien, quoi. Hein. Et vous allez voir, hein, c'est cette mission-là. La première qui se passe là-bas, hein, je ne vais pas trop en dire non plus à part éviter les spoils, et vous allez voir, c'est le véhicule Monster. D'ailleurs, le titre de cette mission porte son nom, et oui. Première fois que j'avais rencontré ce véhicule dans les terres Sandres, et quelle surprise que ça avait été. Hein. Je pense que ça va être pareil pour beaucoup de joueurs. Carl, darling, welcome. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of, Putin? No, anger and hate, and that's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. I say we take it for a spin. Je ne me souviens même plus si je vous ai salué. En tout cas, salut tout le monde. Voilà, moi je suis sûr que ça sera... Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four-wheel steering instead of a handbrake. Good luck. Alors le gars il appelle ça un camion. Ok. Alors il faut faire cette mission là avant la 6 minutes 30. Donc c'est tout à fait faisable. Là-dessus il n'y a pas de problème. En revanche, pour être premier pendant cette course, ça risque d'être difficile. Il n'y a pas de concurrent non plus hein, pendant la course. Mais en tout cas, il y a des adversaires qui ont terminé celle-ci quoi, avant les 4 premières minutes. Et c'est justement ce temps-là que je devrais dépasser pour réussir ce défi. Voilà. Et par ailleurs, c'est un défi que m'a proposé mon cher ami Orla Flagro, un abonné de assez longue date, hein, et je le salue ici même. Coucou à toi et merci pour cette proposition. Alors tu as eu de la chance quand même, parce que encore un peu, je n'allais pas filmer ce défi. Pourquoi? Parce que j'allais faire cette mission sans... Voilà, parce qu'en ce moment, je suis arrivé à San Fierro au niveau des missions. Et là, il y a un hélicoptère un avion qui allait s'écraser, vous avez vu ça? Ouais, il avait pris un... le pilon électrique quoi. Ouais, j'allais dire par là qu'en effet, je suis arrivé en pleine aventure à San Fierro. Et encore un peu, bah du coup, si j'aurais fait cette mission en ayant sauvegardé et que je n'aurais pas trouvé un bon emplacement pour celle-ci, eh bien, je n'aurais pas pu vous la remontrer. Ah non! Oh là là, le maudit rocher! Je vous l'avais dit, c'est vraiment casse-tête. Hein. C'est souvent à cause de ça que je perds du temps. Et ça va être le cas sans doute pour la course. Allez, je vais me concentrer pleinement, les amis. Alors, la dernière fois que j'avais fait cette course-là, ça remonte à quelques jours du coup. Et je me souviens que je l'avais terminé à la deuxième place, alors que je l'avais faite en moins de 4 minutes 30. Alors, je me souviens plus en combien de temps que le premier il a fini, mais en tout cas, c'est vers 4 minutes 10, 4 minutes 15 par là. Donc, l'idée, c'est de subir le moins de collisions possible et de ralentir le moins possible, évidemment. Et ils ont quand même mis pas mal de petits rochers là qui vous barrent la route. Hein, les concepteurs, ils sont quand même bien malins. Oh, j'ai eu de la chance quand même, je m'en suis encore au pire, mais ça va. Ils en ont mis un peu partout et c'est délicat, c'est au niveau des herbes. Regardez-moi, vous avez du mal à les repérer, à les voir et tout. Et le Monster, c'est un véhicule que j'aime bien quand même, mais pas tant que ça non plus au niveau de sa maniabilité. En effet, pour le conduire, c'est quand même assez délicat, car en effet, il se retourne pour si peu, alors que pourtant, c'est un véhicule qui est plutôt imposant et lourd. Sinon, voilà. Mais non, pour un rien, quoi, il se retourne et c'est abusé. Un petit arbre ou une voiture, une moto et tout qui se retrouve en dessous de vos roues, ça peut le faire tourner dans tous les sens. Non, 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 là je ne comprends pas cela. Du coup, ça rend le véhicule que pas très fun non plus à utiliser. Car il se retourne pour si peu et tout. Et contrairement à l'ETA 5, on ne peut pas remettre ses roues à l'endroit. C'est l'une des rares fois où je dirais un peu de mal de l'ETA San Andreas, à contrario de l'ETA 5. Parce que c'est vrai que dans l'ETA 5, on a le simple fait de remettre ses véhicules sur leurs 4 roues. Et bien, c'est évidemment meilleur quoi. C'est moins frustrant. Alors que là, ce n'était pas le cas. Et par contre, la maniabilité dans l'état 5 pour le Monster n'était pas non plus idéale. Car là encore, pour un rocher, le véhicule il partait un peu en vrille aussi. Hein. Dans l'état, les Monsters, ce genre de véhicule, quoi, n'ont jamais été pleinement réussi au niveau de leur conduite et tout. En tout cas, pour ma part, hein, j'ai toujours eu du mal à les conduire dans la série. Mais dans l'état San Andreas, c'est quand même pire. Hein. Même pendant les chutes ou une descente assez longue, si vous accélérez pleinement, le véhicule il risque de partir
à moitié de se retourner, quoi. Ah ouais. Donc il faut à chaque fois ralentir et tout, et un petit peu embêtant. Surtout que là, je dois pas perdre trop de temps pour être en tête. Hein. Oh là là, le rocher, je l'ai encore touché, mais ça va. Allez, on continue. Ouais. Oh, encore un rocher. Mais je suis passé au-dessus. Ah, il faut quand même les voir. Hein. Il a 10 sortes d'affichage étant minimaliste dans les cases San Andreas, même si assez amélioré comparé à l'Eternal City. Eh bien, les rochers ont tendance à apparaître au dernier moment. Ainsi que les arbres et tout. En ce sens, ça n'aide pas. Vous me direz dans l'espace mondial si vous avez réussi à la terminer en tête, cette course. Pour ma part, oui, ça m'est déjà arrivé, mais assez rarement. Voilà. Et là, je vous le redis, hein, en me refaisant cette course-là il n'y a pas très longtemps, j'avais terminé en étant E2. Ah, voilà, c'est terminé, quoi. 4 minutes 10, non, c'est mort. Et donc, ouais, en me refaisant le jeu, je l'avais terminé en seconde place. Voilà. Bon, deuxième, non? Ah, premier? Oh, oh, bah, je n'ai rien dit. Ok. Ok. Boss was right about you. Boss will be in touch. Ah, d'accord, j'en perds un peu mes mots. Ah, c'est 4 minutes 20 en fait pour être premier. Faut terminer cette course-là avant les 4 minutes 20 pour être en tête. Ah, bah, tant mieux. Et puis, le nombre de places, enfin, l'argent que vous gagnez en fin de mission pour celle-ci varie en fonction de votre place. Alors là, comme j'ai terminé premier, et j'en ai obtenu 5000. Je crois que c'était 4000 quand on est second. Et puis, c'est de moins en moins le cas à mesure que vous perdez en place, quoi. C'est assez logique, me direz-vous. Allez, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Très content d'avoir réussi, hein. Je suis vraiment très ravi. Je ne pensais pas que ça allait être le cas. Non, je pensais que j'ai débuté avec les 4 minutes 15 ou 4 minutes 10. Regardez-vous, vous allez par cela. Ah bah tant mieux. Mais encore un peu, j'ai failli perdre, hein. C'est parce que j'ai perdu quelques secondes, encore une fois, avec les rochers. Mais heureusement que ces derniers ne m'ont pas ralenti plus que cela. Allez, portez-vous bien surtout, et j'espère que tu auras apprécié cette vidéo aussi, surtout hein, hors la flagrant. Et merci pour cette proposition qui était quand même une bonne idée. Bye bye. Give a fuck!